Allez, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play. C'est de meilleurs pirates. Donc, je vais aller voir vite fait Santo Domingo, voir si cette. Ouais, ça sert à rien que je recrute. J'avais dit que je recrutais pas d'ailleurs. Le but est d'aller à Santo Domingo, ramener la fille du gouverneur. Et peut-être l'épouser, je sais pas. On verra ce qu'il en est. Alors, je vais le voir. Ah merde, non, ça n'a rien à voir. C'est juste une carte du trésor Inca. Bah, du coup, je me demandais comment on faisait, mais j'ai ma réponse. J'arrivais pas à trouver des cartes de trésor Inca, bah voilà. Ah, il est tout près, lui, je vais aller le voir. Je voulais arrêter l'aventure ici. Je crois que finalement, je vais la continuer un peu. Ouais, c'est risqué, hein. C'est très risqué, à mon avis. Je suis au bord de la mutinerie, mais bon. Je vais essayer de trouver Raimondo là et après aller à Tortuga, je pense que c'est le port le plus proche, le port ami le plus proche. C'est quoi ça? Ok, je préfère les prendre dans ce sens-là. Là au moins on sera face au vent. J'ai essayé de me faire celui-là d'abord. Si j'arrive à le couler. Oh, là, ils ont fait mal. Si j'arrive à le couler, je pourrais récupérer l'équipage. Alors après, je suis vieilli. Et ça devient de plus en plus dur de se battre. Mais bon, on peut espérer que ça se passe bien. Pour l'instant, ça va. Ouais, c'est bon. Il n'a pas grand chose à m'offrir, a priori. Je vais garder son navire. C'est pas le plus intéressant à garder, mais c'est le... Ah non, j'ai dit que celui-là fallait que je le coule. Ouais, celui-là, je vais le couler. J'ai besoin. J'aimerais bien récupérer les hommes d'équipage, en fait. Faudrait pas qu'ils m'en prennent autant que j'en ramasse. Je m'en suis déjà fait une dizaine. Ah, j'aurais bien aimé m'en faire plus, mais. Et je vais refaire un passage. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas super maniable. Là, je suis complètement à l'arrêt. Bon, j'arrête là parce que. Ouais, j'en ai perdu 15 d'un coup là. C'est absolument pas maniable ce genre de navire donc. Allez, c'est parti. Ah, lui il a l'air doué. C'est bon. Ok, c'est parti. Je vais garder le navire cette fois. Et donc partir à la recherche de Raimondo. Oh merde, il y en a un qui est parti là. Ah putain, c'était le meilleur que j'ai quasiment. Je vais me battre avec celui-là. On est à 154 sur 300, c'est très faible. Faut absolument que je récupère mon navire. Parce qu'en plus, il a une partie de mon or, il me semble.
Mais je crois que je vais jamais y arriver. Faut absolument que je trouve un port ou sinon je vais tout perdre là. Tant pis pour Raimondo machin chose. Eh, je suis sûr qu'il avait une partie de mon or. Ok. Là, je suis obligé de me faire le sloop. La brigade, elle est là. Ça, il est trop abîmé. Celui-là, il est pas. Non, c'est pas celui-là, pardon. Celui-là. Il est pas abîmé, mais j'ai pas beaucoup d'hommes d'équipage. J'ai peur que ce soit compliqué. Ah, s'il vient une autre rencontre, c'est bon. Ça a l'air d'être le cas. Ok. C'est parti. Ah, sérieux. Il a l'air doué, lui, hein, par rapport à moi. Il a l'air plus doué que moi, en tout cas. Je sens que je vais perdre mon Royal Galion en plus. Et là, je crois que c'est mort. Ah, bordel! Et en plus, je peux plus me faire le baron, j'ai plus de navire capable de me le faire. Ah, c'est le fail total, là. Bon, ben je vieillis, ça se voit, parce que pour perdre comme ça un combat contre un simple sloop de guerre... Bon, c'est pas grave, on va partager le butin. Et je retrouverai le baron un peu plus loin, un peu plus tard. J'ai quand même réussi à perdre les deux navires que j'avais envisagé de garder. Heureusement, j'ai celui qui, je crois, m'intéressait le plus quand même. La large frégate. Je suis quand même un peu vert là. Voilà, tous mes navires, faut dire tous mes navires étaient complètement à la ramasse là. Je peux même plus me battre là. J'ai plus assez de troupes. Pour 3 navires qui sont quand même des très très gros navires, j'ai 179 hommes, c'est que dalle. Ah, c'est pas grave, il faut faire avec. Allez, c'est parti. Trade with merchant. Je crois que j'ai des trucs à vendre un peu. Ouais. Histoire d'avoir un meilleur partage, pourquoi pas. Surtout qu'il faut que je vende tous mes navires, tous ceux qui m'intéressent pas. Je vais pas recruter d'hommes, évidemment. Ça, je m'en fous. Donc je vends... Non, ça, je le répare. Ça, je le vends. Et ça, j'aimerais bien le vendre aussi. Je vais juste garder mes 40 canons. Et mes... Je sais pas combien de... Je crois que là, ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Voilà, je garde juste ma large frégate. Et bah, je partage 1084, je crois que c'est mon record, sans doute possible. Et en plus, je garde 48 000 pour moi. Continue as adventurer. Ouais. Ah, les années vont continuer à passer, enfin les mois. On va voir quel âge j'ai, je sais pas trop. J'ai 40, hein. Non, j'ai 44. C'est pour ça peut-être que je commence vraiment à être lent. Le problème étant qu'on peut pas manœuvrer une large frégate avec 40 hommes.
J'espère qu'à la taverne. Ouais, 60, c'est pas trop mal. Ah, je vais aller. Je crois que la première chose que je vais aller faire, je vais aller inviter la fille du gouverneur de Santo Domingo. Ouais, pour ça, je vais aller. Et c'est quoi ça, cet English Raider? Je me le ferai bien. J'ai pas beaucoup d'équipage, mais on va se le tenter comme ça. En espérant qu'il soit pas trop fort. Normalement, je suis ami avec les Anglais, mais bon, je suis pas non plus à ça près. Hein. Ouais, il avait vraiment pas grand-chose. C'est vraiment les Français que je veux pas attaquer. Les Anglais, ça va. On peut se permettre quelques petites attaques. Allez, c'est parti. Je vais me faire tous les camps pirates. Ça va me permettre de recruter 75 hommes déjà. Ça devrait être pas mal pour commencer. J'espère que j'aurai eu des nouvelles du baron Raimondo, c'est ça? Je me souviens jamais de son nom. Il me semble que c'est ça. Putain, mais tout le monde attaque Tortuga, quoi. Arrêtez d'attaquer ma colonie. Je sais pas pourquoi tout le monde veut se faire les Français. Allez, c'est parti. La taverne. C'est toujours pas 25, hein. 25 par 25. Ça, je m'en fous. Je vais contourner les récifs parce que je connais l'ordinateur. Lui, il va pas les. Il va foncer dedans, il s'en fout complètement. Alors, deuxième camp pirate. Je connais pas la limite pour manœuvrer la large frégate, mais. Je pense qu'à 100, j'étais pas optimal. Pour l'instant, je m'en fous de tout ça. Ah, ça n'avance pas, malheureusement. Le sens du vent. Et ça, c'est le dernier. Comme ça, on sera largement assez, je pense, pour manœuvrer. Treasure ship, mais français. Military payroll français, je vais pas attaquer. C'est bien tentant quand même, hein, mais bon, quand on a des principes, hein, on s'y tient. Alors, la taverne. 46 hommes d'équipage, voilà, je pense que là, on a bien fait le plein. Et ce qui va m'intéresser, là, c'est la fille du gouverneur. Ah, I ask for your hand in marriage. Oh, enfin. On va avoir une petite vidéo. C'est sûr que je suis carrément. Je crois que je suis duc, hein, donc. Ça rigole pas non plus. Ah ben voilà une mission entre guillemets de plus de réaliser, 10 sur 10.
Par contre, les Lost City, Villain Avenge, je sais pas du tout comment ça va se faire. Alors, ici, on va réparer ça. Le marchand, j'ai... Ah oui, j'ai un problème de nourriture là. Il faut que je trouve des navires à couler. On va partir vers le sud puisque c'est toujours par là que le baron se trouve. Donc on va partir à sa recherche. Et puis accessoirement, il y a beaucoup plus de navires espagnols vers le sud. Par où on va chercher d'abord? Je pense qu'il faut mieux aller par là. Ah, c'est vrai qu'il y a plus de, il y a plus de ports français là, on les a tous pris. Ah, c'est très décevant. Je crois que sa planque, elle est par ici. Je sais plus. Bon, on va y aller. En tout cas, voilà, ici c'est le paradis du navire anglais. Du navire espagnol. Avec dès le début là un trésor galéon. Je vais l'aborder direct. Ah merde. Ah, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis pris une volée de boulets de canon, alors que c'était pas nécessaire. Mais bon, c'est pas grave. Il n'a pas l'air de se battre trop fort celui-là. Enfin, ouais, c'est parti. Donc déjà lui il était bien riche. Je vais garder son navire. Et je vais aller recruter dans les ports anglais. Et dans les ports anglais on va très bien recruter parce qu'on est. On est duc aussi, je crois. Et dans les ports hollandais, je pense qu'on va. Oh merde, un pirate hunter. Je me méfie, hein. J'ai plus que 161 de passagers, d'équipage. Voilà, ça servit à rien. Je vais lui baisser son nombre de d'hommes d'équipage au cas où le combat durerait. Ouais, c'est un peu le problème, c'est que je vieillis et j'ai l'impression que. Les combats sont de plus en plus durs depuis quelques épisodes là. Ah, là je vais gagner, mais enfin je vais gagner, il n'y a rien de fait. Si, c'est bon. Ouais, je les prends. Je vais lui couler son navire de merde là. Je préfère garder mon équipage pour garder des navires bien maniables. Il faut que j'aille recruter avant toute chose. Il faut que j'aille recruter. Normalement, les ports sont pas très loin. C'est quoi ça? Grain transport. Alors déjà ici, ancien port français qu'on m'a volé. Mais bon, j'y peux rien. Ah, ils achètent ça très cher. Alors j'ai pas besoin d'autant de canons. Et la nourriture, bon la nourriture je vais quand même garder 18 mois, ouais, ça me paraît bien. Donc là, ça sert à rien puisque le port anglais ils me feront ça gratuitement. Ah, c'est ça qui va m'intéresser. Ah, il est vraiment pas loin. Ah non, 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 putain, faut quand même que j'aille voir le gouverneur. J'ai pas un grade très élevé avec les Hollandais. Non, d'accord, il veut pas me donner un nouveau grade.
Oula, là il va s'en prendre plein. Ouf, oui. Ah, la large frégate est quand même bien. Elle est pas maniable à 100%, mais elle est pas trop mal quand même. Allez, c'est parti. Santa Marta, ancien port français de nouveau. Pourtant, j'aurais essayé de les aider, les Français, mais à 50. Ah, tiens, on va se le faire. Ça va nous permettre, entre autres, de recruter plus d'hommes. Après, il faut gagner, évidemment. Parce que je sais pas ce qui se passe si on perd ce combat, j'en ai jamais perdu, donc je pense qu'on se retrouve en prison ou... Ah bah, ceci dit, j'en ai jamais perdu, mais ça va peut-être arriver. D'habitude, je le vire tout de suite par-dessus la balustrade, là. C'est un peu plus dur, je dois dire. Ah, puis je trouve les combats super lents par rapport à avant. Ou alors, c'est juste une impression que j'ai, mais... Ah bordel, ça va pas durer des heures non plus. Ah, je sens que je vais bientôt y passer. Là, je suis incapable de gagner ça. Je sais pas jusqu'à où on peut reculer, j'ai jamais reculé aussi loin pour être honnête. Je crois que là je suis à peu près rendu à la limite. Ouais, je sens mon perso tellement lent que... C'est super énervant. Ah bordel. Ouais, je crois que je ferai plus de duels comme ça parce que... C'est franchement super pénible. Alors on va remonter. Là, je vais le rejeter, ça se trouve. C'est vrai que ça me saoule un peu, j'avoue. Là, il va remonter. Non. Ça peut durer des jours, des heures. On est vraiment à égalité là. Voilà. Je crois que c'est le dernier duel que je fais comme ça parce que... Enfin, surtout que là, il avait aucun intérêt particulier à part recruter quelques troupes en plus. Voilà, là, j'ai perdu. Bon, du coup, ça m'a rien rapporté, ça m'a rien coûté. Non, on va pas y retourner. Ouais, pour l'instant, j'arrête. Bon, ben, ça m'ennuie quand même. Donc là, je vais quand même pouvoir vendre ça. Là, je pourrais vendre ça si j'avais... Non, je vais le garder, c'est un Sloop of War, ça peut me servir. Non, je le vends. J'ai pas trop noté combien il fallait que je vende. Ouais, c'est bon. Ok, allez, c'est parti. Il faut que je trouve le baron. Il doit pas être très très loin. Tiens, Dutch Raider, là. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.